coucou Momo. J'ai cru que j'allais jamais être à l'heure. Salut Matt. Il y a mon propriétaire qui est venu pour installer comment s'appelle? Les merde, comment s'appelle? Les volets. Parce qu'on n'a pas de volets pour le moment dans le salon, il fallait qu'il les répare et qu'il les installe. Et bah non, j'ai pas fait tout mon possible pour griller l'hôte. J'avais mon live qui était prévu depuis une semaine à cette heure-ci. Mais du coup, on avait toutes les fenêtres ouvertes déjà, donc là j'ai trop froid. Et en plus, ils ont pas réussi à installer complètement les volets, parce qu'il y en a un qui ferme pas. Mais là, c'était un peu trop pour eux, et puis même pour nous, ça faisait 1 heure qu'ils étaient là. Du coup, ils repassent demain avant 17 h. Je leur ai dit que j'avais un truc de prévu, comme ça je pourrais faire mon stream sur Minecraft. Mais j'ai trop froid là, du coup. Parce que du coup, ils ont changé, ils ont essayé d'intervertir les volets avec ceux de la chambre. Et du coup, on a même ceux de la chambre qui ferment plus. Enfin, c'est une galère, j'en peux plus. Et ils sont vraiment partis il y a 10 minutes, même pas. Hein. Oh, du coup, attendez. Paf. Ça y est, ça remarche avec le téléphone. J'ai l'impression qu'il faut lancer le stream avant de lancer l'appli. Bah, heureusement qu'il n'y a pas de petit chat, parce qu'avec toutes les fenêtres ouvertes, là, c'était risqué, quoi. Mais mon petit chat, je vais le chercher bientôt, de toute façon. Bon, du coup, je sais pas si on va terminer le chapitre 2 aujourd'hui. Je vais essayer de pas trop traîner là sur ce début de stream, parce que vraiment, à 20 h, faut que j'arrête. Après, il y a mon chéri qui a un truc à faire et c'est un truc à faire dans le bureau. Donc bah après, je pourrais plus faire de bruit. Donc c'est un peu con. Donc on va voir si on termine chapitre 2 aujourd'hui. Sinon, on continuera la prochaine fois et on enchaînera avec le chapitre 3. Je sais pas jusqu'à où ça a sauvegardé, jusqu'à où, on verra. En espérant que ça ne me fait pas tout recommencer. Normalement, non. Non, je vais Non, c'est devoir vous bon. mettre dehors maintenant. Ah, pas de repos Parfait. pour les braves. Ça, oui. Il n'y a pas plus brave que moi. On se voit plus tard. Alors, on avait fait quelques petites découvertes sur notre passé. On avait appris que Tessa nous cachait bel et bien quelque chose, puisqu'en plus, elle nous avait dénoncé aux services sociaux. Maintenant, je sais pas où je dois aller. On va où? On doit sortir? On va partir? Bon, ça s'est mieux passé que ce que je redoutais. Trop pratique la télépathie quand même, c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Allez, tu sais ce que je dis toujours. Haut les cœurs. Ouais. Haut les cœurs et courage. C'est ça, ma belle. Je me ferais bien une bière. Il est midi. Ce qui veut dire qu'il sera plus de midi quand j'en boirai une. Je vois pas comment je pourrais me passer d'une bière fraîche avec mon sandwich au porc. On mange toujours ensemble demain midi? Ouais, bien sûr. Je t'enverrai un message. Lui parler? Ça y est, vous repartez? Ouais, on a des trucs à faire. T'es prête, Allison? Ouais, on décolle. Bon, on se voit à l'occasion, Tyler. Ouais, à la prochaine. À plus tard. Je vais dire au revoir. Soyez prudents tous les deux, d'accord? Eh oui. Allez, salut. Oh, avoir de la neige comme ça alors que j'ai froid en plus. Là, j'ai les sensations là avec le jeu. Hein. Allison. Quoi? Je me sens mal. Comment tu le sais? Parce que je me sens pareil. Qu'est-ce qu'on va faire pour Tessa? Rien. Écoute, on va rien faire du tout. Ça suffit, Tyler. Parler à Tessa? Pourquoi? Tu cherches quoi, en fait? Qu'est-ce que tu crois qu'elle dira? Je croyais qu'elle nous aimait. Vraiment. Chevron, est-ce que c'est vrai? Elle est... Oh mon Dieu, les enfants. Tessa. Tessa, tu peux pas rester. Venez, les enfants. Tout va bien se passer, d'accord? D'accord? Vous êtes en sécurité, ça va aller, je vous le promets. Rentre chez toi, t'as rien à faire ici.
Ce qui est bizarre, c'est qu'on sait toujours pas pourquoi vraiment vous voulez tuer, parce que on avait vraiment la sensation qu'elle connaissait pas son gamin au début. Enfin, je trouve que c'est bizarre. Je suis perplexe. Y a personne ou quoi? Tessa est forcément là quelque part. Bah rien. Je crois que j'entends quelque chose. Au moins on sait qu'il reste quelques personnes sur Terre. Ils ont fait effectivement tout ce qu'ils avaient à faire, mais ils ont envie de... Enfin, Tyler surtout a envie de comprendre ce qui s'est passé. Mais vu qui sait, on est peut-être déjà arrivé en enfer là. J'ai besoin d'un peu d'air. Je vais me balader dans le magasin. Toi, trouve Tessa, ok? Ça marche. Bah, je sais pas. Peut-être pour soutenir son frère. Je t'ai arrêté pour pisser. Et juste quand je finis, qu'est-ce que je vois? Un énorme orignal qui me regarde. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon fusil dans le coffre et je vise. Et tu l'as eu? Oui, monsieur. Attends. Ah, j'avais pas vu une carte de poisson. Prêt, cristal, tu dis? La saison est déjà finie là-bas, non? Écoute. Quand le Seigneur te fait un cadeau, oh là là, tu réfléchis pas, tu le prends. Ouais, mais c'est plus vraiment légal. Ouais, ben, j'ai un orignal dans mon coffre et un permis de chasse dans ma poche. Honnêtement, je me fais pas de pile. C'est pas légal pour autant. Ah, je savais pas que t'étais aussi à cheval sur les principes. Bon, au début, je me suis dit, vas-y, c'est peut-être pas un con, mais en fait, si, c'est un gros con. Vous revenez toujours ici, hein? Malheureusement. On est encore à la recherche de Tessa. Elle est partie il y a environ une demi-heure. Désolé. Tu sais si elle revient bientôt? Je sais même pas si elle revient. Personne ne dit rien. Carrément. Et Tom, il est occupé? Il a passé toute la matinée dans le bureau, alors. Qui sait? Moi, c'est Tom. Ça le dérangera pas d'être interrompu. Bah, on va aller voir Tom, hein. Je veux parler au connard avant. On fait ses courses? Je peux même pas l'embrouiller. Je cherche la responsable du magasin. La femme du gérant, tu veux dire? Je l'ai pas vue, désolé. Ah, si, je peux l'embrouiller peut-être. Sinon, il paraît que vous chassez l'orignal hors de la zone autorisée. C'est pas tes oignons, ça, je me trompe. Tranquille, je vais pas vous dénoncer. Mais c'est pas correct. Je pense qu'il est temps que tu termines tes achats et que tu t'en ailles. Oh là là. Ouais, ça vaut mieux. Oh, le regard qu'il m'a lancé, il faisait trop peur. Je pensais que tu bossais au resto aujourd'hui. Non, je vais lui cracher dessus avec mon Covid. Mais en fait, j'étais déjà prévu au magasin aujourd'hui. Oh, ça me serait utile, ça, pour la maison. Et comment tu fais pour te planter tout le temps? Parce que lire les plannings, c'est pour les faibles. Tu vas t'épuiser à bosser comme ça. Ouais, bah, tu sais, j'ai pas besoin de cet argent. La caution. Ah, puisqu'on en parle, il y a quelqu'un qui vient visiter la maison. Il avait l'air joyeux. Hello. Ah, il est comment ça? On a assez de signatures. Ça aurait clairement dû suffire à geler le chantier et à nous laisser le temps de réfléchir. Il faudrait organiser une réunion avec la Fondation pour la vie sauvage en Alaska. Leur soutien serait précieux. Bon, Harold, je dois te laisser. On en reparle à la réunion. Je vais pas tarder à arriver. Bon, hey, voilà, par j'espère comme ça, qu'on ne dérange pas trop, mais tu sais si Tessa est là aujourd'hui? Elle est partie, problème familial. Mais si ça se trouve, je vais pouvoir vous aider, non? Ouais, peut-être. En fait, on est passé au commissariat et on a consulté le dossier de Marianne. Je vois. Ah. Bon, on va mettre ça. Tessa a signalé Marianne aux services sociaux. Tu le savais? Vaguement. Je ne m'en suis pas mêlé. Oui, donc tu le savais. Je ne pensais pas avoir mon mot à dire. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Eh ben, je ne vois pas trop comment j'aurais pu... Ça, c'est pas faux, sujet, c'est pas faux. Mais je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Bah, en nous répondant franchement hier quand on est venu au magasin, par exemple. C'était entre vous et Tessa. Je n'aime pas me mêler des affaires des autres.
Je peux redire le même truc? Bah non, ça sert à rien. Pourquoi Tessa est allée au commissariat ce soir-là? Elle vous cherchait tous les deux. Elle voulait être sûre que vous alliez bien. Quand elle a appris le drame, elle a été anéantie. Comment elle l'a appris aussi vite? Je ne sais plus qui a appelé, mais... vous savez comment c'est. Rien ne se répond plus vite qu'un secret. 5 minutes après le départ de Brand, tout le monde était déjà au courant. Bah... je me demande s'il n'y a pas une histoire de un petit peu folie, tu sais, avec tous ces monstres et tout qu'elle a inventé dans ces histoires, surtout qu'on a vu deux fois hein, le chasseur fou. Donc je trouve ça bizarre, tu vois. Ou alors, oui, elle a peut-être voulu tuer ses filles pour pas qu'on puisse le prendre, c'est possible, hein, c'est quelque chose de malheureusement très réel. Hein. Ok. Merci. Écoutez, je suis désolé si vous avez ressenti... mais non, c'est histoire de monstres que je trouve bizarre. De la réticence chez les gens du coin. C'est peu de le dire. Allison, tu le sais mieux que quiconque, mais la mort de ta mère a profondément marqué notre communauté. Je ne me permettrai pas de comparer ça avec ce que vous avez vécu, bah c'est sûr. Mais ça a été un rappel cruel des limites de la confiance. Moi, je veux savoir la vérité, ouais. Moi. Ben, si on veut dépasser les limites de la confiance, tout le monde doit affronter ce qui s'est passé. Et ça veut dire être vraiment honnête sur le sujet. Les enfants, tout le monde aspire à la paix. Tyler, il n'arrête pas de bouger sa tête bizarrement, c'est difficile de parler du passé. Bon, si vous avez d'autres questions, revenez me voir, d'accord? Ouais. Coucou, Kao. Oui? T'as dit qu'il fallait que je te rappelle de ne pas être en retard. Alors, je te le rappelle. Ah, oui, oui. Je pars dans une minute. Alors, les jeunes, est-ce qu'il y avait... autre chose dont vous vouliez me parler? T'as déjà entendu des rumeurs concernant notre mère? Genre, qui pouvait être notre père? Non, je... ah oui, c'est vrai, je me suis même pas posé cette question, moi. Votre mère était proche de plusieurs hommes, mais de là à savoir qui est votre père, je ne sais pas. Écoutez, je... oh, mince, je suis désolé. Il faut vraiment que j'y aille, là. Michael, tu finis l'inventaire de la réserve et tu fermes la boutique? Tu veux bien? Ok, comptez sur moi, patron. À plus tard. Hé, hey, ça vous dit d'aider un ami et travailler tout l'après-midi gratuitement? Wow. Ou bien? Pourquoi pas? On aurait bien aimé parler à Tessa, mais elle est pas là. Elle est au cimetière. Elle est partie voir ses parents. Oh. Hé, j'ai une idée. Vous m'aidez ici jusqu'à la fermeture, et ensuite on ira là-bas ensemble. Je voudrais aller sur la tombe de mon oncle. On peut pas attendre qu'elle revienne. J'ai pas très envie d'aller au cimetière. Allison, on n'est pas obligé d'aller sur sa tombe. Leur maman, voilà. Bon, je vais commencer l'inventaire. Tyler, tu me rejoins après? Ça marche. Laisse-moi une minute. Ça t'est venu comment, cette question sur notre père? J'aimerais bien savoir ce qu'il sait. Ah, si vous l'avez jamais connu, il doit pas savoir grand-chose. Hein. Je me demandais seulement qui ça pouvait être. Et s'il pouvait pas nous aider à comprendre un peu mieux tout ce bordel. Pourquoi? Il a pas fait partie de nos vies. Et puis, en plus, Marianne a toujours dit qu'on n'avait pas de père. Elle avait beau s'appeler Marie, ça m'étonnerait grandement qu'elle nous ait eus par l'Immaculée Conception. Il n'a pas tort, mais bon, après, moi je suis du même avis que Allison sur le sujet. Hein. Je suis pas, enfin, pour prendre mon histoire personnelle, je suis pas du genre à aller chercher ce genre d'informations, on va dire. Ah, faut que j'aille là-dedans, là. Faut pas aller fouiller dans les papiers avant. Non, bah non, elle me l'aurait dit. Bon, j'ai déjà fait le compte ici. Mais il faudrait que tu revérifies quelques trucs. Ah, rien de compliqué. C'est bon, je gère. Ah ouais? T'es si fort que ça, hein? Ton boulot n'est pas si difficile. Comment c'est horrible de dire ça? Je déconne. Je sais même pas par où commencer. Vas-y, explique. On va commencer par le plus facile. Tu vas au fond de la pièce et... tu me dis combien de boîtes de sauce tomate molto bene il nous reste en stock. Ça marche. Ah oui, je pense que c'est pas pour tomber une relation non plus.
Mais après, je peux comprendre aussi qu'Alison, elle soit en mode, bah, je m'en fous de lui, quoi. Genre, je veux pas le connaître. Tiens, y'a quoi là-dedans? Qu'est-ce qui te fait rire? J'étais en train de me rappeler la fois où Alison et moi, on avait ouvert un paquet de farine et qu'on s'en était mis plein la tête. On a appelé ça bataille de neige estivale. Il y en avait partout. Marianne était furieuse. Et les poissons comme d'Animal Crossing? Tu sais, quand on y réfléchit, le ver finalement c'est du sable qu'on a torturé. Wow, c'est triste. Dis-moi, t'aurais pas sniffé de la colle, Tyler? Bon, faut que je trouve les sauces tomates là. C'est pas des sauces tomates, je suis perdue. Ah, c'est ça. Attends, je compte ça. Ah, faut vraiment que je compte en vrai? J'oublie ces antidépresseurs. Il y a 14 boîtes de sauce tomate molto bene. Ok. Je me suis pas trompée parce que je lisais le 4 en même temps. Trop fort. C'était facile. J'aimerais que tu comptes les bouteilles d'eau de Javel. Je pense que Tyler, il est plus à sniffer les bouteilles d'eau de Javel, mais... C'est où? Et je les trouve où, juste? Je croyais que t'avais ça dans ton sac. Bon, je te donne un indice. Tessa range tout ce qui est lourd près de la porte. Sur les étagères du bas. Ok, je devrais pouvoir trouver. Près de la porte. Et c'est la porte? Ou c'est une autre porte que j'ai pas vue? Je sais pas de quelle porte il parle. C'est ça, hein. Oh, mais je les vois pas toutes là, si? Attends, je vais aller de l'autre côté. Oh, il y en a 6. D'accord. Pas mal, Tiger. Pas mal. Fais gaffe, je vais te piquer ton boulot. Je te laisse. Et maintenant? Viens m'aider avec ça, s'il te plaît. Attends, j'arrive, je regarde des trucs. Ah, ça me met mal à l'aise. C'est la photo d'un curé avec des tickers? Ouais, c'est ce prêtre sexy qui organise l'étude de la Bible avec Tessa. Et pour info, la coupable, c'est Alison. Elle a eu un faible pour lui pendant longtemps. Ouais, mais il est très, très sexy. Putain, grave. Mais oui, je me souviens carrément de lui. C'était le père Bautista. Ouais. Il a les tempes poivre et sel aujourd'hui, tu vois? Oui, oui, je vois bien. Il a l'air tellement gentil avec sa voix, Tyler. Je me demande c'est qui son doubleur, faut vraiment que je pense à regarder. Ce serait pas le rat musqué? Hop, et une de plus. Je peux carrément déjà m'asseoir. Fatigué? Ah, il se moque de moi en plus. Allez, on y va. Ça marche pas. Faut près peut-être. Distanciation sociale, on a dit, hein. Alors? J'ai besoin de ton avis sur ce chef-d'œuvre. C'est censé être moi, là? Eh ouais, attends, regarde les cheveux. C'est réussi, non? Qu'est-ce que je dis? Moi, je vais mettre ça. Y aurait quelques trucs à améliorer. Aïe! Hey, j'ai dit quelques trucs. Globalement, c'est vachement bien. Mec! J'y ai mis tout mon petit cœur. Pour recevoir quoi en retour? Un vent, Tyler. Un bon gros F. Alors, c'est ça que tu faisais pendant que moi je faisais ton boulot? Qu'est-ce que tu veux? Je suis multitâche. Hey, le multitâche? Je crois que t'as dû te tromper là. Au total, tu dois en avoir 36. Oh! Comment osez-vous? Quoi? Je veux pas que t'aies de problème, c'est tout. Je l'aime bien. Ouais, t'as raison. Il est cool, mais je suis pas aussi dedans aujourd'hui. Ok. Y a autre chose que je dois vérifier? Ouais. Une dernière chose et on sera libéré de cet enfer. Je t'écoute. Tu peux compter le nombre de pluches dans ce carton là-bas? Ce carton là-bas. Faut vraiment que je te supplie pour que t'en dises plus? C'est tentant, mais non. Tu vois cette affiche d'étude de la Bible clouée au mur? C'est là que tu dois regarder. Ah, t'es trop sympa. Je peux t'as trouvé le carton des pluches? Cette pièce est blindée de carton, il y en a partout.
J'en ai pour un moment. C'est vraiment tout au fond, pas très loin de la porte du restaurant. C'est ça, là. Quelle horreur. Donc... Alors, attends. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il doit en rester 11 dans ce carton. Je me suis planté ? Michael ? Ah, c'est quoi ça ? Eh, hey, pardon ! Eh, hey, je commençais à stresser pour pas faire ça. C'était trop tentant. Règle numéro 1 dans l'art de l'inventaire. Ne jamais baisser ta garde. T'as aucune idée de ce que tu viens de faire, mec. Le premier qui touche 3 fois a gagné. Ça te va ? Attends, j'ai pas compris, c'est quoi que je passe. Ah, d'accord. Ah, c'est trop dur. Ah, fais chier ! J'ai pas compris le système. Je t'ai eu. Il est où ? Allez, c'est tout ce que tu peux faire, Ronan. Attends un peu, j'ai un plan. Ah ouais ? On verra ça. Allez, sors ta tête, là. Ah, mais il est de l'autre côté. La bande de gamins. Touché. Encore un coup et t'es fini. Tu vas le sentir passer. T'es trop prévisible. Alors c'est ça ton taf ? Non, j'ai rarement la visite de beaux gosses par ici. Je vais dire à Allison que t'as dit ça. D'habitude, elle est dans son bureau. Et puis, ta sœur est peut-être canon, mais c'est pas mon genre. Tu restes un love interest ? On sort de ta cachette, là, qu'on se batte un peu. Ah putain, il est reparti là-bas. Je t'ai eu. J'ai gagné, hein. J'ai gagné. Ah oh. Hey, t'es balèze. Je t'avais dit qu'il fallait pas douter de moi. Eh ben, je ferai plus jamais cette erreur. Bon, allez. Faut vite que je termine de faire cet inventaire. Je pense que ta sœur doit déjà avoir fini. Viens, on se pose au coin des commères. Le quoi ? C'est le petit nom qu'on donne au canapé où on prend nos pauses, Allison et moi. Ah, ok, cool. Je vais voir comment vous avez décoré l'endroit. Un succès tireur d'élite. Ah, au fait, tu vois cette boîte ? C'est pour toi. Hein ? C'est la truite que j'ai pêchée hier à Buzzard Hall. Je l'ai grillée avec ma marinade de renommée mondiale. Trop bien. C'est super gentil. Merci. T'as l'air surpris. Non, t'inquiète. J'ai pas l'habitude qu'on soit aussi gentil avec moi. C'est pour ça. Oh. Il va falloir arranger ça. Oh. Bon alors. Vous voulez regarder la déco, mais il n'y a pas grand chose à regarder. On va s'asseoir. Hein. On a mis des peluches partout, on les ramasse même pas. Ah, ça y est, je peux regarder. Ça m'étonne que Tessa t'ait laissé l'accrocher. Ouais, elle déteste. Mais du moment que je fais pas étalage de mon style de vie devant les clients, elle me dit rien. Putain. Ça doit être épuisant d'essayer d'éduquer les gens. C'est ça le truc. Je le fais pas. Essayer de faire changer les choses ici, c'est un boulot à plein temps. Et je suis pas payé pour parler de mes émotions. Au fait, si c'est pas trop indiscret, t'as déjà eu quelqu'un à Delos Crossing ? J'ai sorti avec un mec au lycée pendant une minute, mais il fallait pas en parler. Et puis, j'ai connu d'autres personnes. Mais c'est compliqué par ici. Et toi ? T'es déjà sorti avec un gars ? Enfin, en supposant que tu t'intéresses au mec. Ce que je suis en train de faire. Bah, je sais pas, moi. Enfin, je peux pas me mettre à sa place. On va mettre ça. J'ai jamais été en couple. J'étais sûrement trop occupé à gérer mon traumatisme. Mais si je devais rencontrer un garçon qui me plaît, qui sait ? T'ennuies jamais à Delos Crossing ? Ouais, parfois.
C'est pour ça que je suis toujours à Juno et que je travaille avec la CEJ. Je rencontre des gens. Il faut bien que je me bouge. Personne d'autre va m'aider. Ouais, je comprends. Bref. Et... j'ai fini. Je suis surpris que Tessa t'ait laissé l'accrocher. Ouais, c'est la même. Hop, qu'est-ce qu'il y a ici? Bref, mais non. T'aimes bien Duplex Duo, toi aussi? Ouais, Alison m'a fait découvrir. On devait aller le voir à un concert à Juno il y a quelques mois. Je vois que t'as du goût. Tu connais les anciens albums? Dark Ark of Destiny? Pas encore. C'était peut-être un peu trop expérimental pour moi. Ouais, c'est vrai. Un des morceaux, c'est 9 minutes du même sample de boîte à rythme. C'est grave bien. Mais ça plaît pas à tout le monde. C'est le chef Brown? Ouais. Vous êtes de la même famille? Non, mais du même clan. C'est ça qu'il y a une histoire de clan. Et tu penses quoi de lui? C'est un mec bien. Tout compte fait. Tout compte fait? Le fait qu'il soit flic, par exemple. Enfin, c'est bien de voir un membre du clan qui fait bouger les choses. Il s'occupe vraiment de la communauté. On a besoin d'un type comme lui aux manettes. Eh, tu penses vraiment que Tom a les épaules pour devenir maire de Delos Crossing? Je sais pas. Il est sympathique et pas complètement incompétent. Mais c'est pas très important. Si tu votes pour lui, tu votes pour Tessa. C'est elle qui va mener la barque. Ah bah c'est sûr, hein. Je dois comprendre que t'aimes pas Tessa? Ouais, à chaque fois que je dépose des flyers pour des événements LGBT+, elle les cache par accident. Par accident. Mon dieu, c'est abusé. Oh, Dieu n'a rien à voir là-dedans, tu peux me croire. Être croyant t'autorise pas à faire de ta religion une arme contre celle des autres. C'est un choix. Ouais, je suis d'accord. Oh, je l'aime bien. Tu penses quoi des mesures proposées par Tom? Il a quelques positions étonnamment courageuses. Ouais, la régulation des armes à feu. J'avoue que je suis impressionné. C'est cool qu'il essaie d'imposer ça par ici. Exactement. Mais pour être honnête, je sais pas trop ce que j'en pense. Ah ouais? Ouais. Historiquement parlant, voir le gouvernement nous retirer nos armes, ça a pas été bien vécu par les miens. Ah ouais. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. Intéressant de papoter comme ça, j'aime bien. Donc c'est un patron plutôt cool. Cool. Je crois pas que ce mot ait déjà été utilisé pour parler de Tom mou du genou. Mais ça va, enfin. C'est pas le pire patron que j'ai connu. Ok. Bah, je crois que j'ai vu tout ce que j'avais à voir, je peux lui parler maintenant. Tu sais, ça me fait vraiment bizarre de pouvoir enfin rencontrer l'autre Ronan. Le Ronan originel, tu veux dire? Tu sais que je suis né en premier quand même. T'en es sûr? Je crois qu'Alison m'a dit que c'était elle. Hein, notre mère nous l'a jamais dit, mais je le sais, c'est tout. Sinon, pourquoi c'est bizarre de me rencontrer? Parce que Alison m'a parlé de ton parcours tellement de fois. Elle m'a tout dit sur toi. Fireweed, ta transition. J'espère que ça te gêne pas. Non, t'inquiète, elle m'a demandé avant. Ouais, je m'en doutais. Elle fait les choses bien, elle est complètement dingue de toi. Je sais, donc en fait, bah, t'as sûrement été le premier au courant, après Alison, je veux dire. Je suis content que tu m'aies fait confiance. C'est cool de pouvoir enfin te rencontrer, en vrai. T'es plutôt pas mal. on drague, allez on drague. T'es pas trop mal toi non plus. Je fais de mon mieux. Surtout avec les mecs que je veux impressionner. Donc je délirais pas quand je disais que tu devrais venir à Juno avec nous. Ouais, je sais. Je... j'ai une vraie communauté là-bas. Ça peut devenir la tienne. S'intégrer, c'est pas con en soi. Bah oui. T'as pas idée à quel point ça change la vie, d'avoir une famille que t'as choisie. Ils m'ont aidé à sortir de la déprime, un sacré paquet de fois. Je comprends. Eh, je peux te poser une question? Bien sûr, vas-y. Pourquoi tu tiens tant à ce que je vienne à Juno? Comme je te l'ai dit, j'ai envie de mieux te connaître. Tu me trouves si fascinant que ça ou quoi? Génie, c'est mignon. Ouais. T'es unique en ton genre, Tyler Ronan. Ah oh bah non, je vais pas lui mettre un stop, le pauvre. Non, mais sérieux, Michael, moi aussi je te trouve hyper cool. Oh là là, ça t'es un mec bien dans ton genre, un vrai. Arrête, ferme-la. J'ai de bien meilleurs compliments en réserve.
Mais je vais pas abattre toutes mes cartes, moi. Je rigole. Alors, tu vas m'en faire d'autres quand on se connaîtra mieux? Sans doute. Enfin, ça, c'est si t'en as envie. Eh ben, je dis pas non. Ils sont trop mignons. Ah, tiens. Hé, hey, les gars, ça fait au moins une heure que j'attends à l'accueil que vous vous décidiez à revenir. Oh, allez, c'est bon, vous êtes prêts à y aller? Bon, ben, j'ai l'impression qu'on a fait assez de dégâts ici. Ouais, on y va. Elle va être jalouse parce qu'il va lui voler son meilleur ami. Ah, comment il se papote, c'est trop... On y est. Tiens, la chandelle, la pauvre. Ah, oh, j'aime pas les cimetières, surtout avec leur pouvoir, ça va être bizarre. Merci de m'avoir pris avec vous. Avec plaisir. T'es sûr que tu veux pas qu'on te ramène? On est d'accord qu'il y a des ralentissements. Ça va me dégourdir les jambes. C'est pas loin. Et puis, il est libre, Michael. Attendez. Je mets sur pause. Il se passe un truc, je ne comprends pas pourquoi. Ça me dit que j'ai pas d'image perdue. Pourtant, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient. Puis, j'ai la fibre, hein, donc techniquement, la connexion, c'est censé aller. On va recommencer, on va retenter. Est-ce que ça rebug? Déjà, mais je crois que c'est le jeu, en fait. Eh oh! Je crois que c'est le jeu. Regardez, je peux plus rien faire. C'est peut-être pas OBS, c'était peut-être le jeu. Attendez. Pas. Je reste avec vous, hein. Je vous abandonne pas. Je vais forcer le jeu à s'éteindre. Et du coup, ça devait peut-être venir du jeu et pas du... Comment ça s'appelle? Pas du OBS. Alors, pas de réponse. Bah oui, pas de réponse, tu m'étonnes. Hop là. On va le relancer, c'est pas grave. En espérant que ça n'ait pas tout planté. Et que ça a bien sauvegardé automatiquement. C'est bizarre ce qui s'est passé. Ou alors c'est parce que j'ai dit que j'avais peur du cimetière et du coup le jeu il s'est emballé. J'ai pas fait gaffe s'il y avait une sauvegarde automatique en fait. Là c'est bon. Ça fonctionne. Je pense qu'il y en a eu. Voilà. On y est. On va voir si ça galère autant. Merci de m'avoir pris avec vous. Avec plaisir. T'es sûr que tu veux pas qu'on te ramène? Non, ça va me dégourdir les jambes. C'est pas loin. Et puis, il est libre, Michael. Ok, ok. Moi, ça a l'air d'aller, là. Tessa devrait être sur la tombe de ses parents. C'est pas très loin de l'entrée. Cherchez un grand arbre noueux. Vous pouvez pas le louper. Moi, je vais saluer mon oncle. Bon courage. Bah, sincèrement. Quand on sait au final que c'est elle qui l'a buté, on peut comprendre qu'elle soit mal. Alors? T'as l'air flippée. J'ai jamais été une grande fan des cimetières. Surtout depuis. Tu sais. Je te promets qu'après ça, on rentre se reposer à la maison. Ça te va? Il est peur leur cimetière. Je sais pas où on doit aller. Je veux par là. J'ai décidé que j'allais par là. Hé, hey, les tombes sont par là. Oh, mais je vais aller voir par là. Oh.
vous casse tout mon fun. Du coup, t'es déjà revenu ici ? Chut, parle moins fort. Comme ça ? Oui. Pourquoi est-ce que tout le monde chuchote au cimetière ? Je sais pas. Une histoire de neurone miroir, peut-être ? Quoi ? Ce que tu fais, je le fais. Ah ouais. Bref. T'es déjà revenu ici ? Depuis l'enterrement ? Non. J'ai eu aucune raison de revenir. Heureusement. Ah ! Où ça ? Où ça ? Notre mère nous faisait venir ici tout le temps. C'était tellement bizarre. Bon. On est. Blablabla, blablabla, c'est les bruits de la vie. On s'en fout. Moi, je veux comprendre pourquoi j'avais un souvenir et tout ça, même si c'est pas marché. Faut que je sois peut-être à côté de Allison. Faut que je sois plus par là. Maman, pourquoi est-ce qu'on vient tout le temps ici ? Ça vous ennuie ? Non, mais c'est bizarre parce qu'on connaît pas ces gens. Enfin, sauf la maman d'Eddie. Ça n'empêche pas de venir les saluer. Parce qu'ils se sentent très seuls. C'est un peu bizarre quand même, d'emmener ses gamins au cimetière comme ça. Parfois, même si vous ne les voyez pas, ils sont avec vous. Ici. Toujours là. Maman ? Toujours. Eh ben... Elle nous aimait. Vraiment. Mais... On dirait que cet amour pour nous la faisait aussi souffrir. Tu crois qu'elle avait simplement peur de nous perdre ? Peut-être. Ouais. Mais, je sais pas. Je pense que la plupart des parents ont peur de perdre leurs enfants. Ouais, enfin, de là les amener au cimetière, c'est bizarre quand même. Construire une maison tout près d'un cimetière. Difficile d'imaginer pire comme idée. Ouais, mais regarde Michael. Il y a des gens qui vont au cimetière de leur plein gré. Enfin, ceux qui ont des familles normales. Ouais, si jamais t'en croises, fais-moi signe. Ah, j'ai cru que c'était un vrai. J'ai eu peur. Ok, on est à l'arbre Noé, mais toujours pas de Tessa. Cherchons la tombe de ses parents. Histoire d'être sûr qu'on est au bon endroit. Tu crois que Michael aurait pu se tromper ? Eh ben, j'ai déjà fait l'inventaire avec lui, alors. Loupé. Oups, pardon, une tombe de bouton. Ah, il y a Michael. Où ça, Michael ? Ah, je peux regarder l'arbre aussi. Eh, c'est pas celui-là qu'on appelait le grand crochu ? Celui-là même. Pourquoi on l'a pas appelé le vieux branché ? On a raté une belle occasion. Parce que les genoux étaient peut-être pas notre fort, et ça a pas changé. Waouh. Dans mes souvenirs, ces branches montaient jusqu'au nuage. C'est ce qui arrive quand on mesure 1m20. Deleon. C'est celle-là. Ah, me dis pas qu'on l'a loupée. Bonjour, monsieur l'aigle. Les enfants. C'est l'heure. Ah, et des petits souvenirs qui refont surface encore ? Non ? Ah, si. Où ça ? Là. Je dois vraiment y aller, Eddie. Tu peux me tenir la main, si tu veux. J'ai pas besoin d'aide pour marcher. On fait vite, d'accord ? Après, on ira manger un coup. Le jour de l'enterrement. Je m'en souviens à peine. C'est sans doute mieux comme ça. Je pense qu'aucun de nous n'a vraiment hâte de revivre ce qui s'est passé derrière cette grille. Alors... J'ai peut-être dit qu'on n'avait pas besoin de voir sa tombe. Mais ça semble être la chose à faire. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Alors... Ça a l'air d'être par là, mais je veux d'abord voir si je peux pas aller là-bas. Oh, c'est la jolie taille ou ça.
Perdu dans le chaos de l'histoire. Ça veut dire quoi? Je suis pas sûre, mais Michael le saura. Il est mort quand, l'oncle de Michael? L'année dernière. Ça a été très dur pour lui. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Ça faisait longtemps. Je peux me joindre à toi? Je t'en prie. Mets-toi à l'aise. Oh, comment il m'a poussé. Ça va pas la tête? M'asseoir? Vas-y. Alors? Est-ce que... C'est pas le moment. Pour toi, c'est toujours le moment. Faites pas attention à moi, je suis pas là. Hé, hey, je vois ta sale tronche presque tous les jours. T'es dépassée, ma petite. Tu me blesses. Profondément. Alors, je peux faire quelque chose pour vous? Alors? Il était comment, ton oncle? Oh là. Par où commencer? Tu vois ce papy bougon qu'on a dans toutes les séries? Celui qui tape au clavier comme un T-Rex et qui quitte jamais son fauteuil. Je crois que je commence à comprendre. Ah non, je pense pas. Il avait beau être bougon, il n'y avait pas plus gentil que lui sur Terre. C'était le genre à t'accepter tel que t'étais. Même si, il approuvait pas forcément. On n'en fait pas beaucoup des comme ça. Tu m'étonnes. Hop. Et je peux te poser une question sur cet endroit? Ouais, je t'écoute. Ah, donc il y a d'autres questions que je pourrais lui poser parce que... Il manque des infos, là. C'est quoi le but de ce mémorial, Clinkit? Que les souvenirs de nos chers disparus ne soient jamais perdus dans les chaos de l'histoire. Comme disait mon oncle William. Perdu dans le chaos de l'histoire? Mettons que tu cherches un coin pour construire une école ou une route et que t'aies aucune morale. Bah si, t'as qu'à déterrer nos ancêtres. Mmh. Ça se faisait beaucoup avant. Okay, ouais, je vois. Ah, les enfoirés. Ouais, ça arrive encore, mais plus autant qu'avant. Et pour ça, on peut remercier les anciens. C'est dommage que j'ai rien de plus. J'aurais dû explorer encore plus. Je vais arrêter plus, de t'embêter. Hein. Je suis là si jamais t'es curieux. Ah, je peux peut-être revenir. Vous étiez très proche, toi et ton oncle. Ça, ouais. Je savais comment le faire réagir. On est des Klingits traditionnels. J'étais plus avec mon oncle qu'avec mon père. Il a été le premier à tester toutes mes recettes. Avant Allison. C'est grâce à oncle William que j'ai encore le ventre plat. Si t'as besoin d'un nouveau testeur, compte sur moi. Comme si j'allais te laisser le choix. Je compte bien vous harceler pour avoir vos avis jusqu'à la fin de mes études. Ça marche. Tant que c'est pas quelque chose d'aussi audacieux que ce saumon Klingit au poivre et au safran, ça me va. Je peux pas te le promettre. La chance sourit aux audacieux. C'est doublement vrai en cuisine. Je le trouve vraiment sympa, lui. Je sais pas si je vais pouvoir revenir vous poser des questions, si je vais trouver des trucs, mais... On va se balader un coup. Bon, je vais peut-être pas regarder toutes les tombes, hein, mais... Alors... Est-ce que... Tu tiens le coup? C'est tellement le bordel. Je pensais qu'on aurait déjà bouclé nos valises. J'ai tellement hâte de mettre tout ça derrière nous. Au moins, Mr. Bellegueule est de bonne compagnie. C'est marrant que tu m'aies jamais dit à quoi ressemble ton frère avant qu'il arrive en ville. Non, je pensais te faire la surprise. J'écoute, hein, ça parle de moi. Ah, je peux. Eh, vous savez que je vous entends, hein. Bouge-toi les oreilles, c'est une discussion de grand. Bref, je sais que c'est dur en ce moment, mais essaie de pas te laisser miner. Jojo va te paraître bien chiant après tout ça, non? Tant mieux, je rêve d'une vie chiante, là, tout de suite. On a quelques séries débiles pendant que mon super coloc nous prépare un repas divin. Le paradis. Après, enfin, c'est des autres tombes ou pas? Marché conclu, monsieur. Non, mais on va y aller, hein. On va aller voir. Bah. Ah oui, bah quand même, hein. Est-ce que tu te souviens où elle est placée? Non. Pour ce que ça vaut, je me souviens avoir regardé l'eau pendant l'enterrement. Allison, s'il te plaît. J'irai pas! Allison, reviens! Ouais. J'espérais que ce soit plus facile que la dernière fois.
C'est raté. Au moins, cette fois, personne ne me demande de partir. Ah bah, ça doit être là-bas. Intérêt. Après c'était ça, là-bas, on a passé un moment ensemble près du totem, non? Je me demande si on pourrait revoir ça. Eh bah, allons-y. J'ai toujours vérifié. Du coup, je suppose que là-bas, c'était ça. On ira voir après. Je les laisserai pas t'emmener. Je vais leur dire la vérité. Tu as promis, Allison. Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Je sais que je devrais comprendre les décisions de Brown, mais... j'aurais tellement aimé que tu viennes me voir. Je suis d'accord, mais... c'est pas moi qui fais une promesse ce jour-là. C'est toi. Regarde. Que tu l'as tué. C'est pas juste. T'en fais pas pour moi. Tu dois penser à toi maintenant. Tu vois? C'est possible. Mais je crois pas. Ouais, je sais, mais... encore rien d'y penser, mais d'y tenir jusqu'à la fin de la journée. Je reviendrai très vite, d'accord? C'est promis. Mais je viendrai te voir toutes les semaines. Et on se parlera... Ah... qui a promis quoi? Bah, je pense... je pense qu'en vrai, mais il s'est passé ça. Mais je viendrai te voir toutes les semaines. Et on se parlera tous les jours avec la voix. Mais je viendrai... je pense que je vais choisir ça. Je reviendrai très vite, d'accord? Pour c'est faire promis. Plaisir à Allison, parce que de toute façon, elle est... enfin, c'est un enfant, elle avait pas le... attends, je vais arrêter de faire ça. Elle avait pas voix à la parole à ce niveau-là, quoi. Genre, c'était... pas elle qui devait décider, elle était sous tutelle, quoi. Donc je vais mettre ça pour faire plaisir à Allison. Je reviendrai très vite. Je pense que d'accord ça va faire plaisir à Allison. C'est promis. Voir. Je reviendrai très vite, d'accord? C'est promis. Le chef Brown va s'occuper de toi. On va s'en sortir. Tu verras. Les enfants? Ça va, comment? Je suis désolé qu'il m'ait fallu tout ce temps pour revenir. Mais j'étais tellement pris par tout ce que j'avais à gérer que... t'as pas besoin de te justifier. Aujourd'hui, je comprends ça. Par quoi t'es passé. Est-ce qu'un jour tu me laisseras finir mes phrases? Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Bon, on le sait que c'est par là, mais j'irai bien par là si je peux. Hein. Après, il est particulièrement effrayant ce cimetière, je trouve, hein, dans la forêt comme ça. Ce coin me dit quelque chose. Comme Marianne était bouleversée quand la mère d'Eddie est morte. On n'avait que 4 ans, mais... ouais. Elle perdait l'une de ses seules amies. Elle disait toujours qu'elle aurait jamais pu trouver sa place à Delos Crossing sans Carol. Tu penses que sa mort a pu déclencher... tu sais. Ça a pas aidé, c'est certain. Oui, en mais... non. C'est arrivé des années plus tard. Tu crois que Boule de Neige vit toujours ici? Les chouettes Harfang vivent qu'une dizaine d'années, alors... oh, paix à ton âme, Boule de Neige. Trop triste. Oh, il y a eu un bruit d'une bestiole. Taille. Oh. C'est celle-là, non? Ah. Ouais. Ah merde. Deux secondes, je crois qu'elle était là-bas avec... ouais, je vais faire un petit tour, d'accord? Je reviens vite. Ça marche. Non, je vais voir sa tombe. Oh, mais tu m'emmerdes! Loupé. C'est pas la sienne. J'arrive pas à m'en souvenir. Elle est où déjà? Thank you.
Allison. C'est ça. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Pourquoi? Qu'est-ce qui a disjoncté? Pourquoi tu nous as rien dit? Oh. On était pourtant tes gobelins. Tu aurais pu demander de l'aide. T'es ça? Les enfants, je ne pensais pas à vous. Qu'est-ce que vous faites là? C'est elle qui l'a fait disjoncter. Tu veux savoir ce que tu fais là? Tu te sens coupable, peut-être? Oh là là, c'est vraiment... C'est drama, drama. Oh, ils sont collés, hein? Quand nous mourrons, notre tombe est la seule chose de nous qui reste aux autres. Laisser la sienne à l'abandon serait cruel. Je ne suis pas quelqu'un de cruel. Suffisamment pour dénoncer notre mère aux services sociaux. Je voulais vous protéger. L'état de Marianne ne faisait qu'empirer. J'avais peur qu'au train où allaient les choses, un jour ou l'autre, on allait finir par mourir. Alors, je ne veux pas repasser par là. Bah, lui, je refuse s'est passé, d'être tenue pour responsable de ses choix. Elle allait bien jusqu'à ce que tu la dénonces. Bien? Elle ne vivait que de l'aumône et depuis des années. On ne peut pas se permettre de faire si souvent la difficile devant une belle offre d'emploi. Pire, ne jamais se présenter. Elle a fini par s'isoler de tout le monde. Elle était seule, sans plus aucune issue. On était ensemble, jusqu'à ce que tu la menaces de nous séparer. Je ne pouvais pas la laisser vous entraîner avec elle. Elle vous demandait de voler, pour l'amour du ciel. Votre mère n'a jamais voulu faire partie de cette communauté. Elle a toujours pensé qu'elle valait mieux que nous. Une petite fille gâtée, qui jouait à la princesse dans la forêt. Si elle s'était installée avec quelqu'un au lieu de courir après des hommes mariés, peut-être que... Demandez à Sam Kansky si ça n'aurait pas mieux valu pour tout le monde. Attends, quoi? Je... Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a balancé? Il s'est passé quoi entre eux? Je croyais que... Non, oubliez ce que j'ai dit. C'est ça. Tout ce que là, je sais, t'en as trop dit, hein. C'est que Laura a fini par quitter Sam. Mais j'aurais pas dû aborder le sujet. J'ai promis de ne jamais... Les enfants, je suis désolée. Après... Moi, je pense qu'elle est vraiment partie d'un bon sentiment. C'est vrai que, du coup, elle demandait à ses gamins de voler et tout, c'est pas ouf, tu vois. Je pense que moi je partirais du principe où elle a cru bien faire. Mais après, faut pas oublier que c'est une connasse d'homophobe, de transphobe et de tout ça, tu vois. J'ai envie d'être dure avec elle. Donc je vais dire, tu aurais pu faire mieux. Je vais pas non plus lui dire que t'as détruit notre famille. Mais je veux dire, t'aurais pu faire mieux. Marianne voulait pas que tu l'aides, on a compris. Mais il y avait sûrement une meilleure façon de réagir. Surtout si elle traversait une période compliquée. Ouais, vous avez raison. C'est sûr, j'aurais pu faire autrement. Faire mieux. Je sais que j'ai fait des erreurs. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolée. Si je pouvais vous rendre votre mère, je le ferais. Je ne mérite pas votre pardon. Surtout pas le tien, Tyler. Mais s'il y a une place pour moi dans vos vies, je veux en faire partie. Il faut que je sache quelque chose. Tu m'acceptes vraiment tel que je suis? J'y ai beaucoup réfléchi depuis ton retour. Je pense avoir donné du sens à ma vie en la plaçant entre les mains de Dieu. Mais je crois aussi que nous ne comprenons pas toujours son message.
J'ai prié pour y voir clair. Et à te voir ici aujourd'hui, un jeune homme si fort et si réfléchi, je crois que je tiens ma réponse. Ça me touche beaucoup. Bon, c'est bien. Merci. Tessa, c'est déjà ça. Je sais que ces deux derniers jours ont été compliqués. Moi, je suis prête à repartir à zéro si t'es OK. Mais ça dépend pas que de moi. Tyler ? Bah, vu ce qu'elle vient de dire, franchement, on peut lui pardonner. Hein. Elle s'est remise en question. Et c'est pas évident, hein. Mine de rien. Quand t'es ultra croyant et que tu crois fortement en quelque chose et tout, se remettre en question comme ça, c'est pas évident, hein. Je veux plus perdre de gens. Et si on leur donne pas une chance d'évoluer, alors est-ce que nous, on a une chance, voilà, de s'en sortir ? Exactement. Merci. À tous les deux, les enfants. Je n'ai jamais connu toute l'histoire de votre mère. Mais il ne fait pas de doute qu'elle a été douloureuse. Elle disait toujours que vous étiez le seul bonheur qu'elle ait jamais connu. Je vais tout faire pour lui pardonner. J'espère que vous aussi. Si vous êtes en ville demain, passez donc au café. C'est moi qui régale. Ou bien. Et il y aura du gâteau à la noix de coco ? Eh bien, c'est fort probable, oui. Je vous dis à demain dans ce cas. On sera là. Allez. Non, c'est pas mal. C'était quelque chose, hein ? Tu l'as dit. J'avais plus trop d'espoir par rapport à elle. Mais apparemment, les gens peuvent changer. C'est vrai. Je me sens tellement conne maintenant. Je parie que Tessa pense la même chose. Ouais. L'ambiance risque d'être bien pesante quand je vais retourner au boulot. Oh, je suis sûre que vous arriverez à pas parler d'aujourd'hui. C'est ça. Bien pesant. Qu'elle va me laisser faire le tour quand même. Parce qu'il y avait une dame tout à l'heure, je sais plus trop où. J'aurais bien voulu voir ce qui se passait avec elle. Elle me suit ou pas ? Non. Essayez, on sait jamais, hein. Ouais, ça se trouve, elle est plus là. Où est-ce que tu vas ? Oh ! Bah non, bah je peux pas. Bah tant pis. Ouais, KO. Tant pis, tant pis. Ils auraient pu, enfin, elle aurait pu quand même me faire faire demi-tour avant que j'arrive au bout, quoi. C'est bon, j'arrive. Et là, je peux y aller ? Non. Allez, on y va. Il est quand même vraiment glauque, ce cimetière. Tu veux pas t'asseoir un peu ? Bah écoute, si tu veux. Pas mal la vue, hein ? Ouais. Je comprends maintenant pourquoi les cimetières ont des si belles vues. Ça apaise un peu la douleur. Écoute, ça a été dur, je sais. Je te remercie d'avoir été à mes côtés pour ces moments-là. C'était cool, Fireweed. Mais j'avais personne de vraiment proche, tu vois ? J'ai que toi. Pas de quoi. On est frères et sœurs, non ? Ouais, mais c'est surtout concentré sur le frère récemment. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à te remercier. C'est normal, t'inquiète. Tu m'as sauvé la vie, Allison. Pour que tu finisses enfermée à Fireweed jusqu'à ta majorité. Attends, parce que tu t'en veux encore pour ça ? Arrête, c'est bon, c'était mon choix. C'est juste que... j'ai volé ta vie, Tyler. Et ensuite, j'ai gaspillé la mienne. C'est pas vrai. Tu vas être ranger à Denali. Michael va devenir un grand cuisinier. Et moi, je fais quoi ? Rien. T'as géré ce qui est arrivé de la façon que tu pouvais. Ok ? Dès que toute cette histoire sera réglée, on va vendre la maison,
Tu vas t'installer à Juno et tu vas tout déchirer. Ça va être facile à t'entendre. Non. La facilité, ça a jamais été pour nous. Mais on finit toujours par s'en sortir, non? Oui. T'as raison. Bon, je les aime trop, ils sont trop mignons. J'ignore où atterrira Tyler, le forestier. Mais il a intérêt à redescendre de sa montagne pour venir nous voir en ville de temps en temps, ok? Ouais, t'inquiète. De toute façon, ce sera pas avant un moment. On a le temps. T'as raison. On a le temps. Bon, ben on connaît toute l'histoire maintenant, hein? Marianne en avait marre de Delos, et inversement. Elle était peut-être trop fière, mais... elle a travaillé tellement dur pendant tellement longtemps. Et quand elle a été à bout de force, personne n'est venu l'aider. Moi, je maintiens que c'est quand même bizarre. Hein. Ni Eddie. Parce qu'on a vu le monstre. Quand elle a su que les services sociaux allaient venir, elle... elle... Ouais. Mais jusqu'à tuer ses gosses, quand même. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais si, mais carrément, c'est bizarre. Tu pourras jamais savoir ce qui se passait dans sa tête. Même elle, elle devait pas le comprendre. Trop mignon. Et ça restera sans doute toujours comme ça. Oh. Dès que je me pose dans le canapé, je m'endors direct. T'as intérêt à te reprendre. Il reste du ménage à faire avant d'aller au lit. Ah, oh, on est obligé. Hey, celui qui en fait le plus prend le grand canapé cette nuit. Allison, je vais aller chercher l'extincteur. Ça, c'est bizarre, ça. Oh, ça m'a fait sursauter. Oh, j'ai eu peur, faut pas faire ça, hein. Tyler, ça va? Allison, la grange. Bouge pas, je m'en occupe. Mais surtout, va vendre la baraque après que ça ait pris feu. Quoi. Donc, il y a bien un truc bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu... un homme. Porte dans la tête. Un homme? À quoi il ressemblait? Je suis pas sûr. Je l'ai pas bien vu et... il était tout en noir. Putain. Qui voudrait mettre le feu à notre grange? Je sais pas. Mais surtout, pourquoi maintenant? Mais je compte bien le découvrir. Oh, c'est pas comme si c'était habité pendant les 10 dernières années, quoi. Il nous a laissé l'épave. C'est Eddie qui t'a appris comment éteindre un feu? Non. J'ai appris toute seule. Je crois que j'ai trouvé un truc. Attends, j'arrive. Fallait vraiment qu'il casse tout. Il a cherché sous le tapis. Ce bidon d'essence était déjà là ce matin. C'est pas lui qui l'a porté. Ah, une petite statue là. Au moins qu'elle a été épargnée. La sorcière de la lune. Ah, c'est vrai que j'ai pas écouté. Le rat musqué. Et ça, ah, oh, on n'a pas fait celui-là non plus. Le rat musqué est une créature paresseuse et lâche qui passe le plus clair de son temps à se dorer au soleil et à nettoyer sa fourrure. Oh. La sorcière de la lune est une vieille et puissante sorcière. Elle attire ses victimes innocentes sous la glace et elle reste piégée à tout jamais. Il nous en manque encore un. Hein. Ce connard a même sorti tous les tiroirs. Bordel. Il a vraiment tout mis en vrac. Alors, c'était quoi le truc par terre? Attends, c'est une boîte sous la grange? C'est quoi ce délire? Je
Je crois que le feu a démarré d'ici. Il essayait de mettre le feu à ce qu'elle contenait. Il faut qu'on regarde ça. Je vais devoir retirer encore quelques planches pour y accéder. Où est-ce qu'on pourrait bien trouver un outil pour ça? Attends, c'est une boîte sous la grange? C'est quoi ce délire? Je crois que le feu a démarré d'ici. Il essayait de mettre le feu à ce qu'elle contenait. Il faut qu'on regarde ça. Je vais devoir retirer encore quelques planches pour y accéder. Où est-ce qu'on pourrait bien trouver un outil pour ça? Alors, attends, parce que j'ai pas tout regardé. Il a cherché sous le tapis. Tu te mets bien. Voilà. J'ai pas regardé ça. Ces planches paraissent plus récentes que les autres. Ce coin était plein de terre avant. Elle y mettait ses poules. Elle disait toujours qu'elle réussirait à faire de cet endroit une vraie maison de famille. La petite maison dans la toundra. Ici peut-être? Le mec a pas fait semblant. Ah, ici. Je crois qu'on sait maintenant comment il a fait le trou. Recule. Ça va aller. Encore un mystère de plus, hein. Je connais qu'une personne capable de décorer une caisse de rangement de cette manière. Marianne. Ouvrons-la. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose de gravé, mais je vois pas à quoi ça correspond. Ah, le livre des gobelins. Merde. Attends. Trois chiffres. T'as une idée? Marianne n'a jamais été douée avec les chiffres. Alors, c'est quoi le dessin? Attendez, je fais du bruit avec ma chaise, je suis désolée. C'est une serrure dans un œil. C'est ça, hein? Alors, livre des gobelins. Tu trouves une piste? Donne-moi une minute. On en a écrit tellement des trucs. Bah, on va regarder les images, au pire. Pas ça. Il y a un coffre là, non? Blablabla. Blablabla. Je lis un vite fait en diagonale hein, parce que sinon on va pas ça. 166, ouais, peut-être. On va peut-être essayer ça. Blablabla. Ah, c'est ça. Attends, regarde. C'est le même symbole. Là-haut. La gardienne des secrets. Ok, voyons si on trouve des chiffres. Alors. Les gobelins gagnent le don de la voix. Il était une fois dans la forêt profonde et ancienne, deux gobelins malins occupés à espionner la gardienne des secrets pendant sa collecte des confidences que les animaux de la forêt avaient à vendre. « Comment connaît-elle les secrets des gens ?» dit le premier gobelin. « Tu crois qu'elle fouille leur tête ? Surveillons-la !» répondit le second. Ils espionnèrent ainsi jusqu'à ce que le solide orignal se présente à elle, la tête basse. « C'était ma faute, j'ai choisi un chemin dangereux. Ce souvenir me hante. » La gardienne des secrets acquiesça, fixant les yeux de l'orignal. Les gobelins n'entendirent rien de ce qu'elle lui dit, car elle pouvait s'adresser à l'esprit des gens grâce à son don de la voix. Comme eux. Au bout de quelques minutes, le solide orignal cligna des yeux. « Je me sens plus léger, dit-il. Est-ce que je viens de te donner quelque chose ?» La gardienne acquiesça, en lui donnant une pièce. L'orignal accepta et reprit sa marche. Il plissa les yeux de méfiance quand il aperçut les deux gobelins tapis derrière les arbres, car il les savait friands de mauvais tours. Mais ils s'y flottèrent innocemment, invitant l'orignal à reprendre sa patrouille, puisqu'il ne faisait rien de suspect. « Je veux savoir son secret, dit l'un des gobelins. Allons l'acheter. » Les gobelins s'approchèrent de la gardienne, des secrets. « Nous voulons acheter le secret de l'orignal. Que proposez-vous ? Demanda la voix de la gardienne dans leur tête. Les gobelins tendirent une brosse à cheveux aux manches d'argent qu'ils avaient volé à la princesse. La gardienne hocha la tête et, au même moment, les gobelins surent que la compagne de l'orignal avait péri en tombant d'une falaise.
La gardienne des secrets reprit sa route. « Je veux en savoir plus », murmura le premier gobelin. Alors ils espionnèrent en espérant découvrir où elle cachait ses secrets. Ils la suivirent jusqu'au sommet d'une crête voisine, tandis qu'elle dissimulait sa dernière collecte dans un nuage. Bon, pour le moment, on n'a toujours pas de chiffres. Quand elle fut repartie, ils escaladèrent un haut sapin dressé vers le ciel cotonneux. Puis ils tendirent les mains jusqu'à les plonger dans les nuages. Soudain, leur tête se remplit de souvenirs et ils durent retirer précipitamment leurs doigts, comme s'ils venaient de se brûler. Leurs joues se mouillèrent de larmes, c'est ainsi que la gardienne les trouva, en train de sangloter dans l'arbre. « Vous avez volé mes secrets, » dit-elle, « rendez-les. » Les gobelins malins suivirent leurs yeux, appâtés par cette opportunité. « Que nous donnes-tu en échange ?» demandèrent-ils. « Je vous rendrai la brosse à cheveux et aux manches d'argent. »« Pour autant de secrets ?»« Ça vaut beaucoup plus. » »« Et si je partageais le don de la voix ?» dit la gardienne. Les gobelins se réjouirent, marché conclu. Alors la gardienne partagea son don avec eux. Immédiatement, chacun commença à percevoir les pensées et les émotions de l'autre. Les gobelins malins rendirent les secrets dérobés, puis filèrent jusqu'à la grande maison en bois. Là, ils trouvèrent la princesse qui préparait le repas. Aussitôt, ils essayèrent de fouiller ses pensées, sans résultat. Ils essayèrent de s'adresser directement à son esprit, mais elle n'entendit rien. Car en vérité, la gardienne des secrets était aussi futée que les gobelins, et elle leur avait partagé juste assez de son don pour communiquer entre eux, mais pas avec l'ensemble de la forêt. Et c'est ainsi que les gobelins reçurent le don de la voix de la gardienne des secrets, mais que ce don ne fonctionna qu'entre eux deux. Je n'ai pas vu de chiffre. Est-ce que c'est pas le numéro de la page? Non. Oh putain, je les ai vus. Regardez, là il y a un 1. Là il y a un 0. Et là il y a un 3. Donc ce serait 130. Je pense, on va essayer. Alors. C'est bon. Eh. Trop forte ou pas? Ne fais pas s'attendre à ce que ce soit un tel connard. Alors, chère Marianne, il faut que je te revoie. Je sais que ça peut paraître idiot et je ne veux pas que tu croies que je cours après toutes les nouvelles venues à Delos Crossing. J'ai toujours respecté mon vœu de fidélité, mais les choses ont changé quand je t'ai rencontré. Quand on est ensemble, j'ai l'impression de rouler à 130 km/h sur l'autoroute sans phare et je ne veux pas que ça s'arrête. J'ai conscience que c'est mal et qu'on a tous les deux beaucoup de choses à perdre, mais j'ai besoin de te revoir. J'espère que c'est pareil pour toi. Symbole en forme de cœur. PS, je t'ai acheté un petit quelque chose pour la prochaine fois. J'ai hâte de voir comment tu le portes. Et l'autre, c'est quoi? Putain. C'est dur. Alors, Marianne, je suis désolée que tu te retrouves en fait, cette situation. Ce type essayait de pousser Marianne à se faire avorter. Et toi? Alors qu'elle, elle voulait nous garder. Je suis en train de parler. Je suis désolée que tu te retrouves en cette situation. Je sais que tu penses que tu seras une mère formidable et je n'ai aucun doute que ça arrivera un jour, mais pour le moment, nous devons nous assurer de ne pas gâcher 3 vies. Ça fait un moment que je ne suis pas heureux dans mon couple, mais ma femme ne mérite pas ça. À vrai dire, je m'inquiète surtout pour toi. Les gens d'ici aiment les ragots et je ne veux pas que tu aies à subir ça. Je sais que tu as des problèmes d'argent, mais je ferai tout mon possible pour t'aider à faire le bon choix. Dis-moi juste combien il te faut. Oh là là. Ok, je vois le genre. Et c'est qui, du coup? Tu sais pas signer ces petits mots-là. On a fait le tour. Bordel. Bon. Marianne a caché une boîte sous la grange. Une boîte remplie de lettres de notre géniteur. Donc du coup, ce serait lui qui est venu? Il a tout mis en vrac, mais j'ai l'impression qu'il a rien emporté. Il cherchait juste à prendre cette boîte. Il était prêt à mettre le feu à la grange pour cacher ce qu'elle contenait. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Ce mec a eu une liaison avec Marianne, et il a voulu faire disparaître toutes les preuves. Il a sans doute appris qu'on vidait la maison. Il a dû avoir peur qu'on tombe dessus. Tu sais, j'ai cette impression bizarre, comme si je l'avais déjà vu. Ah. Il y a un petit coup de souvenir dans les parages. Peut-être plus par ici, et ici. Ah, attends. Alisa! Quand il a vu le chasseur fou. Pourquoi on voit ça? Je sais pas pour toi, mais moi j'ai rien oublié de cette nuit-là. J'aurais pu dire la même chose, mais il y a quelque chose de différent. Faut que je voie la suite. Mais tu sais bien ce qui se passe là-bas. C'est bien ça le problème. J'en suis pas certain, non. Oh. Ou bien. D'accord. Allons-y. On dirait des bottes de travail. Des bottes de pêche, peut-être.
Ah, ça a été refermé, ça. Il n'a pas essayé d'entrer ici. C'est ici que j'ai glissé. Hey, j'ai l'impression pour moi, il essaie de nous faire penser que c'est Sam, tu vois. Ah putain, j'ai pas regardé là-bas. Il y avait quelqu'un cette nuit-là? Dans la forêt? Non. C'était juste... J'ai vu... Putain, mais qui c'est que j'ai vu, en fait? Parce que là, le gars, il avait une capuche et tout, il ressemblait un petit peu, entre guillemets, au chasseur fou, hein. Il allait droit dessus. Sans s'arrêter ou se retourner. Il était déter. Y'avait pas quelqu'un, là? Le chasseur fou! Quoi? Non. C'était le chasseur fou. Quoi? Mais de quoi tu parles? Cette nuit-là, je crois que j'ai vu le chasseur fou dans la forêt. Mais j'imagine que c'était juste un connard qui passait. Un connard qui, donc, est resté planté là, à regarder ma mère en train de me poursuivre avec un fusil. Tu penses que c'était le même type? Peut-être. Enfin, c'était forcément lui, non? Il portait la même tenue de pêcheur. Ouais, à moins que tous ceux qui nous cherchent soient tous habillés pareil. Hé, attends. Il est passé avant ça, non? On est d'accord? Quelques jours avant la mort de Marianne. Peut-être. Attends, tu sens ça? Tu sens quoi? Tu sens quoi? La piste s'arrête ici. On dirait qu'il a sauté dans la rigole. Hé, tu vois des traces de pas de l'autre côté? Ouais, il a dû s'enfuir par là. Il est loin maintenant. Et je sens quoi? Je sens ça, je sens ça où? Là-bas peut-être? Alors, attends. Je cherche, hein, je cherche. Ça doit être là, ouais. Tyler, pas là. Notre mère s'est disputée avec quelqu'un ici, à propos de nous. On doit savoir si c'était la même personne. Et si c'était pas ce souvenir-là? Et si... J'ai pas envie de revivre ça. Faut tenter le coup, Allison. C'est vraiment obligé. Putain, il y a quand même quelqu'un qui a mis le feu à la grange. Ouais, et ça veut dire qu'on se rapproche de la vérité, justement. En tout cas, ouais, c'est pas... Je retourne pas sur ce ponton. Juste une dernière fois. S'il te plaît. C'est ce que tu dis, à chaque fois. Mais dès qu'on pense en avoir vu le bout, on découvre autre chose. C'est sûrement notre seule chance de découvrir qui est notre père, Allison. On peut aussi continuer nos vies sans le savoir, comme on l'a toujours fait. Allez, il faut qu'on sache la vérité. Pour elle. Et si j'ai pas envie de la connaître, la vérité? Tu t'es déjà posé la question? Non. Tu fouilles, tu insistes et... Maintenant, il faut que t'assumes ta part de responsabilité dans la mort de notre mère. Mais dis donc. Quoi? Mais... Comment tu peux me dire ça? J'ai pas dit ça. Enfin, si, si, je l'ai dit. Tout à l'heure, à Eddie. Mais je te promets que je l'ai pas dit à toi. Alors on peut même plus faire confiance à notre voix? Je sais pas. Allison. Je vais le faire. Allons-y. Super. Moi j'ai trop envie de savoir. Oula, compliqué celui-là. Eh ben dis donc. Oh, arrête, fais gaffe, tu marches sur le pied. T'entends ce qu'ils disent? Chut, faut pas que maman nous voie hors du lit. Je l'avais dit, je savais que ça arriverait. On y était presque pourtant. C'est quand on a surpris Marianne en train de se disputer avec ce type. Essaie de te concentrer sur lui, d'accord? Surtout, pense à rien d'autre. Ok. Je vais essayer. Voilà.
Compliqué, hein. Je ne te dois rien du tout. Je t'ai trouvé un peu agité ces derniers temps. Un peu agité? J'essaie juste de survivre. Si tu tiens tant à t'assurer que je ne fasse pas de bêtises, t'as qu'à nous aider. Prête-nous de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté? Je peux pas, Tyler. Mais Allison, on était tellement prêts. Ah bah là, c'est très drama tout ce qui se passe, hein. Je suis désolée. Mais j'en peux plus. Alors c'est ça? Tu laisses tomber, comme ça. Tu peux pas faire ça. On le fait pour elle. Marianne est morte, Tyler. Et quoi qu'on fasse, ça changera rien. Pars pas, je t'en prie. Tu peux pas continuer à fuir, allez. Ça fera qu'empirer les choses. Bah alors, on va pas s'en sortir, hein. Oh, fais gaffe, tu marches sur le pied. Ah. T'entends ce qu'ils disent? Chut, il faut pas que maman nous voit hors du lit. Je n'ai pas d'argent. Je ne t'ai jamais rien demandé, mais maintenant, elles ont besoin de toi. Alors là, tu rêves. J'ai tout ce qu'il me faut dans cette grange pour te griller. Et qu'est-ce qui se passera ensuite, d'après toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, si ces enfants ont un père, tu crois vraiment qu'un juge voudra te confier leur garde? Non! Tu n'as aucun droit sur mes enfants! Faut le camp de chez moi, maintenant! Si tu remets les pieds ici, je vais te tuer! Allison! Drama. Oh là là. Ça va, et toi? On a fini le chapitre 2. Et j'ai encore 40 minutes devant moi, donc on va même pouvoir commencer le chapitre 3. Ah mais là, waouh. Mais je commence à me poser plein de questions. Bah oui, ça a été. Bon, je suis un petit peu fatiguée par le boulot. J'ai froid, surtout vu que je travaille dehors en ce moment. Mais sinon, ça va. Là, j'ai K.O. qui voulait que je laisse le générique, hein, pour qu'on essaye de voir les voix françaises. Mais je sais même pas si elles vont y être. Et je sais pas s'il y a moyen de faire aller plus vite le générique. J'ose pas. En fait, le « je vais te tuer » qu'on entendait en boucle dans sa tête, c'était ce qu'on entendait, en fait, ce que la mère disait en boucle le soir de sa mort, en fait. Donc je sais pas, en fait, si c'était pas une espèce d'hallucination. C'est très bizarre ce qui s'est passé. Bon, après, je suis sûre qu'on peut peut-être essayer de trouver la liste des doubleurs... Comment ça s'appelle? Jérémy Cocolastico, quoi. On peut peut-être trouver les doubleurs ailleurs, hein.
Ah, moi, je connais rien du tout. Je me suis rien spoil. C'est vraiment... j'ai fait une vraie découverte du jeu et j'ai un gros coup de cœur sur le jeu. En même temps, j'aime beaucoup ce genre de jeu. C'est trop agréable. Mais il n'y a que 3 chapitres, du coup, après, là, le prochain chapitre qu'on fait, c'est fini. Ah, il y a les voix, mais je sais pas si c'est les voix... C'est pas les voix françaises, ça. Pas l'impression, en tout cas. Je pense qu'il faudrait peut-être plus regarder sur Internet, K.O. Parce que de ce que je sais, les voix françaises ont été ajoutées il y a vraiment pas longtemps, hein, quelques jours avant que je lance le jeu pour la première fois en fait. Donc je sais même pas s'ils ont mis dans le générique. Mais quelle histoire, hein. Pouah, je suis... Je suis choquée. Bon, on fait quoi? On continue? Parce que bon, je perds du temps, hein. Je vous rappelle qu'à 20h, je suis obligée d'arrêter, moi. D'après, mon chéri veut pas être content. Bon, allez, on va continuer. On va regarder sur Internet, au pire KO, ce sera plus simple. Mais moi, je t'avoue que je regarderai pas tant que j'ai pas fini le jeu parce que j'ai peur de me faire spoil. Mais oui, tu vois, tu vas sur le wiki, tu vas trouver, je pense. Alors, Tyler a eu l'impression qu'Alison ne tenait pas compte de ses sentiments quand elle a choisi son souvenir à elle dans la maison. Ouais. Je sais. Oui, si, je me souviens à peu près de ce que c'était. Ah ouais, on est... moi j'ai accepté le rendez-vous. Hein. Bon, on est quand même pas mal à avoir pardonné à Eddie. Ok. Ça, c'est bien, ça. Qu'est-ce que je l'aime bien, lui? Ah ouais, il y a quand même quasiment 40% des joueurs qui n'ont pas pardonné à Tessa. Je me demande bien ce que ça fait. Il faudrait que je regarde d'autres let's play du jeu une fois que j'aurai fini. Rigolo. J'adore ce genre de jeu, rien que pour ça. Il y a quelque chose d'autre. Regarde ça. T'en penses quoi? On tente le coup? Je crois que les gobelins malins ont une nouvelle trappe à explorer. Wow. J'adore l'ambiance visuelle. Hein. Genre ça là, c'est joli. On va se commencer le chapitre 3. Puis après, je vous laisse à 20h pile. Plus ou moins, hein. Je vais essayer de voir... en fonction des sauvegardes automatiques. Comme ça, je laisse mon copain faire ce qu'il a à faire ce soir. Moi, je mange et puis je me couche tôt parce que je commence le boulot à 7h30 demain matin. Hein. Alors, continuez, allons-y. On va encore avoir un petit souvenir, enfin un petit rappel de ce qui s'est passé, je pense, avec les beaux dessins. Il était une fois, dans une forêt profonde et ancienne, des gobelins malins qui découvraient la vérité sur les ténèbres de la grande maison en bois. Elles avaient envahi la sage princesse, lui faisant perdre la tête au point qu'elle menaça leur propre vie. Quand ils commencèrent à s'interroger sur la princesse et les ténèbres, les gobelins réalisèrent que personne dans la forêt ne voulait connaître la vérité. Alors ils creusèrent, cherchèrent et posèrent des questions douloureuses. Et en apprirent bien plus sur la sage princesse qu'ils ne l'avaient escompté. Mais cette quête ne fut pas sans conséquence. Les ténèbres se révélèrent trop éprouvantes pour la sœur. Et pourtant, le frère continua à fouiller, toujours plus profondément,
jusqu'à ce qu'enfin sa sœur lui dise assez. Et c'est ainsi que les gobelins furent de nouveau séparés. Blessés et perdus, avec tant de questions sans réponse et tant de blessures béantes. Moi, j'ai envie de savoir. Hein. J'aime bien Allison, hein, mais là, je suis complètement du côté de Tyler. Hein. Allison, réveille-toi. C'est un cauchemar, je pense, mais c'est bizarre, j'aime pas. Déjà tout à l'heure, j'ai sursauté. Oh là là, quelle horreur. Ce cauchemar de l'enfer. Il n'y aura comme moi. Wow. La peau. En même temps, pas surprenant qu'elle fasse genre de cauchemar. Pas encore le feu ou c'est encore un cauchemar. C'est encore le cauchemar. Oh là là. Mais ça fait peur. Aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle en ce monde. Un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux. Mais une femme éplorée, toute seule dans une forêt ancienne et profonde. Oh, c'est joli ça. Oui, le cauchemar dans le cauchemar, tu m'étonnes. Par contre, visuellement, là, c'était très joli. Tué. Oh là là. Et ils sont forts, hein. Par des ambiances comme ça et tout. Oh, je suis pas bien. Tyler qui se plaint pour rien, comme beaucoup, enfin comme souvent, quoi, on va dire. Regardez, ceci est le retour du strike de ma rediffusion sur YouTube. Il est encore en vie, lui. Pour le moment, on va dire. Je vais lui laisser un petit mot.
grand mot. Oh, c'est la déprime là, oh là là. Et du coup, Tyler, il est resté dormir dans la maison, je suppose. Faut pas faire ça, hein. Il y a vraiment des gens qui font ça, se foutent la tête dans l'eau comme ça, pour se rafraîchir les idées ou je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit ? Bonjour, j'ai commencé à rassembler les documents dont tu as besoin pour le dossier d'agence. Je t'ai laissé le dossier sur le comptoir de la cuisine. Si tu trouves toujours 10 pour manger à midi, tu peux me déposer les documents et je t'en ferai des photocopies. Vas-y doucement aujourd'hui, pardon, oncle Eddy. PS, mes fameuses gaufres sarrasin réconfortantes sont en train de refroidir dans la cuisine. Je sais pas, mais elle l'avait tout à l'heure la tête dans l'eau, je crois. Il a raison. Il est temps que je me ressaisisse. Alors, est-ce qu'il a examiné juste la lettre ? Non, c'est je vais devoir ça. Repartir à zéro avec ça quand je serai à Juno. Ah, les cartes de fidélité. Voilà. J'étais loin d'imaginer qu'oncle Eddy me cachait autant de choses. Donc là, on est de retour au même endroit qu'au tout début du premier épisode. J'aurais bien besoin du soutien psychologique de Michael. Mais dans une toute autre ambiance, on va dire. Hein. Je voudrais juste un aller simple vers l'autre bout du monde. Comment on a pu passer de jumeaux si semblables à de vrais opposés ? Il faut que je pense à autre chose. Bah, très sincèrement, de ce que j'ai vu de leur passé, je les trouvais pas si semblables comme jumeaux. Ils ont toujours eu l'air assez différents quand même. C'est peut-être le bon moment pour arrêter de fumer et faire une détox. Ou deux. C'est quoi, c'est pour sortir de la chambre ? Ou alors attends, je vais d'abord regarder là, on n'avait pas été au début. Elle a quand même une super salle de bain collée à sa chambre, c'est pas mal hein. Je pourrais peut-être faire ma lessive. Bon, peut-être plus tard. J'aurai jamais assez d'anticerne pour effacer la nuit que je viens de passer. C'est bon à savoir, j'ai l'air aussi mal que je me sens. Allez, on va aller manger des pancakes. Non, des gaufres, pardon. Ah, mais je peux aussi visiter la maison, du coup. Les pistes me manquent. Eddy a l'air si jeune là-dessus. Les jours vont bien raccourcir. L'hiver promet d'être long. Non, je peux pas y aller. C'est joli, ça. Qu'est-ce que... Ah, oula, on se calme. Ah, je crois que c'est ce qui arrive quand on manque de sucre et de sommeil. Ah, je peux pas regarder le souvenir. Quel dommage. Encore de longs mois à porter des bottes de neige. Alors, on a une porte ici. C'est quoi ? Eddy avait l'air assez inquiet quand je suis rentrée hier soir. J'aurais dû lui parler de ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que je pouvais bien dire ? Il y a plein de trucs. Alors, attends. Je le remercie de m'avoir jamais poussée à changer mon nom de famille. Alors, attendez. Hop. Blablabla.
Ok. Bon, du coup, il a toujours ce dossier-là à portée de main, alors que ça fait quand même 10 ans. Hein. Quand je pense qu'Eddie m'a jamais dit que c'est lui qui payait pour Fireweed. C'est un beau souvenir. Même si Tyler a pas pu venir. Ça. Eddie a fait l'aller-retour jusqu'à Juno pour chaque concert avant de se retrouver coincé avec moi. Y a pas un truc plus haut? Non, j'hallucine. Je peux fouiller dans son placard. Non, mais ça va pas. Hein. Ah si, je peux regarder. Je doute qu'Eddie ait porté ça depuis le rencard foireux qu'il a eu il y a 2 ans. Je crois pas connaître de Claire à Delos Crossing. Je devrais pas fouiner par ici. Non, c'est clair. Et pourquoi tu le ramasses? Pourquoi tu fais ça? Bah là, il va savoir que t'as fouillé. Ça se trouve, il l'a fait exprès de poser tout en bas. C'est personnel. Alors, c'est la lettre d'adieu de la mère de... Ah, pardon, de Eddie. Mon très cher fils, je sais que je ne m'en repèterai pas cette fois, alors je voulais t'écrire ces quelques mots. Je suis désolée de te quitter si vite, tu es arrivée tard dans ma vie, mais je pensais malgré tout avoir plus de temps avec toi. Je suis heureuse de savoir que le clan sera toujours là pour toi quand je serai partie, et que ta tante sera là pour veiller sur toi. Tu as toujours semblé savoir quand l'heure était venue de partir. À 1 an, tu savais mettre tes chaussures du bon pied, et tu m'apportais les miennes dès que je me prêtais à quitter la maison. Je n'ai jamais su comment tu pouvais deviner que j'étais sur le point de partir, mais à chaque fois tu étais là avec mes chaussures. Tu n'as jamais pleuré ou piqué de colère, tu étais simplement là pour m'aider. J'espère que ce départ sera aussi simple et bien que je n'aurai pas besoin de toi pour m'apporter mes chaussures, je sais que tu m'aideras à prendre ce chemin. Ta force a toujours été d'accepter les choses telles qu'elles sont et de faire ce qui doit être fait. Je suis tellement fière que tu sois entrée dans la police. Tout le monde va voir en toi un chef à présent et je sais que tu ne les décevras pas. S'il te plaît, aide les plus jeunes à se souvenir de nos traditions. Notre peuple a prospéré depuis la nuit des temps et cela grâce à nos valeurs culturelles. Ne les laisse pas perdre ça. Souviens-toi aussi comme il est important de veiller sur tout le monde, pas seulement sur ceux qui poussent droit. L'entraide fait partie de notre héritage. Tout le monde a quelque chose à offrir à la communauté. Parfois, certains peinent à voir ce qu'ils peuvent apporter et tu devras les aider à le trouver. Aide-les à suivre leur propre chemin, comme tu l'as toujours fait. Aider les autres, c'est devenir plus fort, tu ne l'oublies pas. Après, je ne suis pas capable de lire ce qu'il y a écrit, mais elle a dit « moment ». Paf. Il a une maison sympa quand même, elles sont grandes ces chambres. Ça fait un bail que je l'ai pas entendu jouer. Il reste là à prendre la poussière. La gardienne des secrets dans son donjon secret. Ah, oh. Peut-être que le livre des gobelins m'aidera à y voir plus clair. Ah bon? Mais il y a ce dessin là dessus. Ah. Attends. C'est le même conte qu'on a lu tout à l'heure, hein, on est d'accord? Les secrets, le sommet de son secret, c'était par rapport à sa femme, hein, je crois. Mais peut-être que le livre des gobelins m'aidera à y voir plus clair. Je sais pas trop ce que je dois faire de tout ça là. Alors, on va retourner là. Que je voyais ça, moi, mais... Ah, j'ai un doute. Parce qu'il y a ce dessin-là... Attends, je vais mieux regarder la boîte. Non, il y a ce dessin-là. C'est le même, hein. Il faut une pièce, on dirait. Une pièce. Il n'y a pas de truc que je peux enlever. Hein. J'ai l'impression qu'on peut pas non plus interagir tant que ça avec le bouquin. Hein. Faut une pièce trop, faut peut-être que je pose la boîte et que j'aille rechercher un truc dans la chambre. Alors attends, parce que lui c'était l'orignal. Hein. Nanana. Ah, la gardienne à la question lui donne une pièce.
Donc il a eu une pièce. Mais alors, elle est où la pièce? Attends, on va poser ça. Je devrais pouvoir y retourner, mais il faut que je trouve la pièce. Mais on n'a pas vu de pièce depuis tout à l'heure. Oh, j'ai tout fouillé dans la chambre, je crois. Ouais. Je sais que je suis sur quelque chose, hein, mais il faut juste que je trouve. Est-ce que c'est ici au moins? Je trouve que c'est ailleurs dans la maison. Pas de pièce, hein. On n'avait pas de pièce. Peut-être ailleurs, hein, c'est peut-être pas forcément dans la chambre. Je vais essayer. Oh. C'est pas normal. Qu'est-ce que c'est? Il aime pas attirer l'attention là-dessus, mais il fait vraiment beaucoup pour la communauté. Ah, j'espère qu'on va trouver cette histoire de pièces là. Pas être en haut, hein. Je l'aurais déjà ramassé, je pense. Non. Ah, je tourne en haut. Moi, j'espère que je vais pas passer à côté de tous les papiers qu'il faut. Ça m'aidera peut-être à me concentrer et à y voir plus clair. Alors. Si seulement la mère d'Eddie avait pu m'apprendre à faire ça. Merci. J'essaie de voir déjà en me baladant si je vois pas une pièce. Peut-être par ici. Merde. Le monde me paraît si étroit aujourd'hui. Faut que je trouve un truc pour me remettre les idées en place. On va trouver, on va trouver. Ah, ici, il y a des trucs, là. Il y a des pièces, là. On va essayer avec celle-ci, hein. Ça se trouve, ça suffit, hein. Peut-être pas une pièce en particulier, peut-être que n'importe quelle pièce suffit. La gardienne des secrets dans son donjon secret. Pourquoi il a ça dans sa chambre, lui? J'y crois pas, ça a marché. Ah. D'accord, ok. Mais pourquoi il a ça dans sa chambre? Du coup, il m'en manque deux des précédents épisodes. Et là, j'ai trouvé le premier. La gardienne des secrets est une voyageuse qui achète et vend ses secrets. Elle cache tous ses secrets dans les nuages, parce que personne ne lève les yeux en l'air pour chercher des choses. J'avoue. C'est pas faux, comme on dit. Hop. Alors, opération gaufre maintenant. Les priorités. Hein. Je peux vraiment rien avaler pour l'instant. Oh, t'es chiante. Voilà le dossier. Il faut ma carte d'identité et des fiches de paix. Ok. On était une famille, Allison. Comment t'as pu me faire ça à moi? Oh, c'est glauque. Merde. Il faut que je pense à autre chose. Concentre-toi. Carte d'identité et fiche de paix. Bon, sans pote là-dedans. La carte d'identité, on l'avait vue tout à l'heure avec son portefeuille. On va y retourner. Ça, c'est une recette de ragoût au crabe de son copain Michael.
ou Michael, je sais plus comment on dit. D'après Eddie, il y a une plante pour chaque mal. Sauf pour les peines de cœur. Il y a du nut-nut. Alors, tac-tac-tac. Donc, du coup, ici, il y avait... Hop. Ah, voilà ma carte d'identité. Ah oui. Ça n'a jamais été rien de plus qu'une garçonnière. J'avais prévu de faire tellement de choses. Tous ces sacrifices que j'ai dû faire. Et comment tu me remercies? Par tes mensonges. T'es pas ma fille. Mon clan mérite mieux. Oh, elle est en train de briller complet, là, Allison. Je trouve que c'est ce qui arrive à sa mère, hein. Arrête ça, Allison. Tu dois arrêter de te torturer. T'as juste à prendre tes fiches de paix et te tirer d'ici. Alors, les fiches de paix. Pourquoi ça? Allison, s'il te plaît. C'est dommage. Allez, Allison, commence pas. Oh, c'est bizarre, hein. Peut-être là-dedans. Non. Si seulement non, on pouvait changer d'humeur aussi facilement qu'on change un disque. Peut-être dans sa chambre, mais si je paie, tu me diras. Moi, c'est là que je les aurais foutus. Maman ? Maman ! Je lui ai déjà dit que je voulais plus jouer avec ses souvenirs. Mais il voulait pas m'écouter. Frère ou sœur, on se protège l'un l'autre. T'avais dit ça. Mais tu ne pensais pas vraiment, c'est ça? C'était que du vent. Tu m'as abandonnée, Allison. J'étais seule et effrayée. Wow. Oh là là. Quelle angoisse. Mais bordel, qu'est-ce qui cloche chez moi? Ah, ce serait pas là-dedans? C'est bizarre ce qui se passe, hein. Fais chier, où il est? Pas là-dedans. Bon, après, elle a des... Je peux regarder sous le lit? Pas là. Bon, on farfouille partout, on va trouver, hein. Pas là. Avant qu'elle nous repique une crise, ce serait pas mal quand même. Et ben voilà. Ah, et les voilà. Ok, je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour le dossier d'agence. Voir si ça déclenche un truc. C'est bon à savoir, j'ai l'air aussi mal que je me sens. Mais d'où ça vient? Où est-ce que j'ai laissé mon téléphone hier? Ah. Une tête d'en bas, j'entends pas très bien. Allison, s'il te plaît. Le chasseur fou. Oh là là, eh oh, ça suffit, hein. Allison, aide-moi. Allison, s'il te plaît. Le chasseur fou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Et puis ça boucle en plus. Ah bah non, on va pas dans la cave. Non, bah non, non, monsieur, non. J'ai pas envie. Vous êtes trop mignon ce soir.
plus, il se passe des trucs de fou et ça fait peur et je suis pas bien. Pikachu. Coucou, bienvenue tout le monde. Bon, j'espère que ceux qui viennent, ils ont vu le jeu déjà. Ma colombe. Pour pas vous faire spoil, parce que là, je suis dans l'épisode 3. Pikachu. On se cache dans la pénombre. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis pas bien là. Qu'est-ce que... Ah, c'est glauque. Oh là là. Je... Non, non, non. Je veux pas avoir affaire à toi maintenant. Mmh. Attends, il y a son téléphone qui sonne, ça va me saouler, mais j'ai envie de... Le problème, c'est que j'ai peur que si je trouve... Ah, faut qu'elle le trouve, de toute façon. Mais j'ai peur que si je le trouve, ça déclenche quelque chose et j'ai envie de fouiller partout. Vous me connaissez, hein. Coucou. Oh, mon téléphone. D'accord. Il faut que je le trouve. C'est pas grave. À fouiller, hein. Mais c'est de plus en plus bizarre, hein. Ce qui lui arrive, ça me... Alors, le jeu s'appelle Tell Me Why, c'est payant. Je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que c'est une vingtaine d'euros, si je dis pas de conneries. Je sais plus, en plus j'avais en promo, donc... Attendez, je pose parce que la sonnerie du téléphone va me rendre un peu... je l'ai eu sur Steam. Je sais pas s'il est sur console, moi je joue sur PC. Et c'est un jeu qui est... Bah, c'est le même gameplay que les jeux Life is Strange, si vous connaissez. Et je crois qu'il y a, les mêmes... Enfin, il y a une partie, je pense, des créateurs qui sont la même équipe de Life is Strange. Mais cette fois, c'est pas avec Square Enix, c'est avec Xbox qu'ils ont travaillé. Et là, je suis sur, entre guillemets, la fin du jeu, on va dire. Donc si c'est un jeu qui vous intéresse, même si ça me fait plaisir que vous soyez là, ça serait cool pour vous plutôt de pas vous spoil, quoi. Ça, c'est un jeu, vraiment, moi, ça fait un petit moment qu'il est sorti et j'ai rien voulu voir jusqu'à ce que je puisse y jouer. Et je suis très contente d'avoir fait ça, parce que c'est trop cool. Et il y a un doublage français qui est vraiment pas mal, hein. Il vient d'être ajouté, c'est très cool. C'est pas souvent qu'on a des bons doublages français comme arrête ça. Arrête-toi. On va le retrouver, son téléphone. Pas de téléphone ici. Oui, bah, il est peut-être juste devant toi dans la boîte, là. Ah non, il est là-dessous, là, ça s'allume. Qu'est-ce qu'il fait là ? Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait là ? Salut, Dee. Enfin. Je commençais à m'inquiéter, pourquoi tu répondais pas ? Ah, désolée, j'avais pas mon téléphone avec moi. D'accord. Je voulais juste être sûre qu'on mangeait bien ensemble ce midi. Oui, bien sûr. Je suis en train de me préparer. T'es sûre ? Parce que j'avais plutôt l'impression de te réveiller. Non, c'est juste ma voix. Enfin, il me reste quelques petites choses à faire avant de partir. Mais je serai là. Ok, ma belle. À plus. Allez, reprends-toi, Alice. Ne refasse pas, mais faut pas de crise de prends le dossier, habille-toi et en route. Ou alors, je pourrais fabriquer un cadeau pour Dee. Oh, la vache. Okay. Mes mains tremblent encore. J'ai encore un peu de temps pour faire quelque chose pour Dee. Bah oui. C'est trop bien, c'est trop mignon. Bon, faut pas qu'elle se remette à phaser pendant qu'elle utilise des outils un petit peu dangereux, mais... tous ces espèces de souvenirs mais qui n'en sont pas, tu vois. Et... Oh. C'est vraiment dommage que je sois obligée d'arrêter dans quelques minutes parce que bah j'ai promis à mon chéri, hein, de lui laisser le bureau à 20h. Et là ça commence à devenir super palpitant. Je pense que... Oh, c'est joli ce qu'elle a fait. Je pense que l'un des premiers streams que je ferai la semaine prochaine, ce sera la suite du jeu. Hein. La suite est fin, du coup, je suppose. Parce que là, on a une sauvegarde automatique, donc je vais devoir m'arrêter ici. Hein. J'avais dit que je ferais un petit peu attention à l'heure. Ça fait 2h pile poil qu'on est sur le jeu. Même 2h et 1 minute. Putain, je comprends rien à ce qui se passe. Hein. J'ai trop hâte. Du coup, peut-être que directement lundi, on se retrouvera sur la suite du jeu. Je sais que bon bah demain, je suis sur Minecraft hein, à partir de 17h. On va jouer en vanilla avec des copains. Je vais découvrir les dernières mises à jour parce que moi, j'ai pas joué depuis super longtemps. Bah, je pense
mon dernier stream sur Minecraft, c'était la dernière fois que j'ai joué à Minecraft, pour vous dire à quel point ça peut remonter. Donc on va jouer à Minecraft à l'ancienne avec les copains. Je vais faire un... Je vais ouvrir un guild, je pense, pour qu'on joue ensemble. Et je vais découvrir un petit peu les dernières mises à jour. On va jouer. Je suis pas sûre que... Oh, elle me baille pas dessus. Je suis pas sûre que ça va être un truc en mode let's play où on va vraiment suivre ça. Mais peut-être que de temps en temps, je retournerai vous montrer un petit peu où on en est. Ça peut être cool. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. Merci pour les deux raids. Ça m'a fait plaisir. Et je vous dis à demain pour Minecraft si vous êtes là. Et puis sinon, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, à bientôt !